Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 23e épisode dans Let's Play Live, si je dis pas de bêtises, sur Twitch pour Metroid Dread. Dans l'épisode précédent, on a battu le dernier ennemi, on a affronté un Chozo, sur lequel j'ai galéré. Et là, on est à Itorash, où on affronte le... on doit affronter le boss... le boss final, bec de corbeau, mais on galère, on galère, on galère. C'est pas très loin de la fin du jeu, hein, mais c'est pas facile. Donc on va faire plusieurs essais. Hein. Ça se trouve, vous verrez même pas cet épisode si je fais que de mourir pendant une demi-heure. Ça, on l'a déjà vu, donc je vais passer. Ah, trop tôt peut-être. Ow. Ow. Où je trouve à quel moment le contrôle peut-être. Non, ça c'est pas gentil. Sois un gentil boss. Tellement violent. Peut-être que j'aurais pu. Ça c'était pas trop mal. Aïe. Ça c'était moins bien par contre. Aïe. Il me provoque en plus. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Noto? Qu'est-ce que j'ai raté? C'est j'ai raté un contre, un truc comme ça, non? Ce qui est fort probable, hein, mais... Ah, je souffre. Mais en fait, je sais pas à quel moment... Il n'y a pas le... La petite lumière pour le contrer, c'est... Aïe. Ouais, c'est pas un gentil boss. Aïe. Sois gentil le boss. J'ai dit gentil le boss. Là, je le cours en fait. Ah,
rien lui faire. Ah mince, j'ai raté! Idiot! Ok, j'ai compris. Mal, bec de corbeau. Pourquoi avec un nom aussi pourri que ça, t'es si violent? Non, trop tôt, Ryu, trop tôt. Quand tu meurs, bête de corbeau, dis. Battu. Ah non, j'ai pas battu. Je pense pas. Ah non. What? Non, arrête tes bêtises là. Wow. Attends, le pote de spoil réfléchit, là tu tapes dans un mur. Ouais, je sais pas à quel moment il faut que je compte, mais c'est pas grave. Par contre, il faut que je recommence les deux phases, quoi. Pou, pou.
c'est pas sympa. C'est vraiment pas sympa. J'ai déjà eu assez de mal comme ça. Aïe. Non, là, je peux pas. Ça, je peux pas le contrer. Ah oui, là par contre je pouvais contrer. À un moment donné, il y avait une... Et il y a un merci. Non, là je peux pas contrer. Aïe. Bon, là je vais sûrement mourir. Là je pouvais contrer. Quand il charge la grosse attaque, je peux contrer. Là je pouvais contrer. C'est pas grave. J'ai compris que sur les grosses attaques, je pouvais le contrer. Ah, c'est... Je galère comme quasiment sur tous les boss du jeu. Contre et je vais lui dire pas dessus. Bien joué, vous voulez deux rayons.
Par contre, les scènes comme ça sont vraiment classe. On peut pas faire grand chose, mais elles sont classe. Oh mince, trop tôt. Là, j'aurais pu contrer. Aïe. Oh, trop tôt, Ryu. Là, je pouvais contrer. Il m'a surpris, le petit monsieur. Ok. Par contre, bec de corbeau. Ça, j'ai du mal. Là, je pense que je peux contrer, peut-être contrer. Aïe, ça c'est pas cool. Ça, je peux pas faire grand chose. Non. Mais non, là je pense que je peux le contrer quand il est... Ah, deuxième phase, c'est une galère. Pour le moment, je comprends pas trop. Là. Je pense que je peux le contrer quand il me descend dessus, mais... Ouais, c'est pas rien, mais c'est frustrant parce que je vois le temps qui passe et je sais qu'il me reste plus beaucoup de temps avant de devoir arrêter. Après, c'est pas grave, on le fera sur un... sur un prochain stream, mais... Là je peux pas. Bec de corbeau, sois gentil.
un gentil piaf. J'ai raté un tir. Mince, je peux le contrer celui-là. Ok, phase 2. Aïe. Je pense que là je peux le contrer quand c'est comme ça. Mais... J'arrive pas. Je pense que c'est sûr que je peux le contrer. Ça, je peux pas. Il doit y avoir un moment où je peux le contrer. Et je sais pas à quel moment. Bon allez, je fais un dernier essai pour ce soir, et si ça passe pas, on reprendra une prochaine fois. Ah non, là, ça devient trop compliqué. Mais j'aimerais bien... J'aimerais bien savoir, trouver au moins le moyen de le battre, enfin de le toucher pas mal sur la deuxième plan. Ça, c'est pas grave. Hop, ça, on s'en moque. Pif, pif, on esquive. Ça, on s'approche. On repart. C'est pas grave, on a fait quelques petits dégâts. Ça, on monte. Bruine.
Ouais, mais en fait, c'est pas facile, même les tirs ciblés, c'est compliqué. Sur le piaf. Ok. La phase 1, je pense que je la maîtrise à peu près. Là, il tape dans le mur. Là, petit laser, il utilise sa mitraillette. Un gros tir. Par contre, celui-là, il enchaîne. Je pense que c'est vraiment quand il tombe au sol que je peux l'avoir. Si je tombe sur ses tirs, ça fait mal. On est quand même mieux quand on joue à Pokémon. Aïe. Je pense que c'est vraiment là où il faut le choper. C'est le rasqué.
vais à la large. Et eh bah ben dis donc, heureusement que je dis que c'est le dernier essai pour battre le boss et puis bon bah maintenant je sais pas ce qui va nous attendre. Mais il y a des chances qu'on refasse un petit live dessus. Wow, c'est quoi l'arrière? Pas trop compris ce qu'il fallait faire, mais j'ai compris qu'il fallait tirer quoi. Je me suis dit tiens, faut se précipiter, faut tirer dessus. Voilà, on est tout puissant. C'est clairement ça, c'est clairement le Kamehameha. Ok, bon bah. Si là je vais pas du bon côté. Ok.
hop, faut que j'aille. Je sais même pas. Ah oui, par là. Faut que je grimpe. Ouf! Juste à temps. Non. Tu viderais le vaisseau de son énergie. Merci pour les GG, les gars. Non, pas du tout. J'ai perdu 10 litres de sueur. Eh bah dis donc. Et puis plus je voyais le temps passer, plus je me suis dit oh putain, je vais devoir recommencer la course parce que je vais mourir. Enfin, au final ça, on s'en est bien sorti. Ouais, il restait 15 secondes, hein, mais c'était juste. Bon bah c'est cool, on aura fini Metroid Dread. Ouais, vraiment cool. Par contre, il est exigeant, il est dur. Par rapport à Fusion, Zéro Mission, là où j'avais vraiment eu du mal, c'était Super Metroid, parce que c'est le premier avec lequel je commençais, etc. Et c'était pas facile. Mais du coup, bon bah voilà, j'ai fini tous les Metroid que je voulais faire, donc c'est cool. En tout cas, merci les gars encore d'avoir été là, c'est hyper sympa de votre part. Merci Cordé, en plus je t'ai retenu, tu devais partir il y a quasiment une heure, et puis au final je t'ai retenu. Je sais pas si je m'en suis bien sorti, j'ai fait du mieux que je pouvais en tout cas. Ah, la deuxième phase, par contre, je sais pas s'il y a un moyen de le battre plus facilement que ce que j'ai fait. Je pense que oui, je pense qu'il doit y avoir des contres et tout comme ça, mais la deuxième phase, c'est une galère. Par contre, la première phase, à la fin, je la maîtrisais bien. C'est pas si difficile que ça, mais... Bon, par contre, j'ai vraiment aucune idée de ce que je vais faire pour remplacer... Metroid Dread. Je verrai ça au prochain, avant le prochain stream, mais j'ai aucune idée. En tout cas, merci Naoto de m'avoir proposé de faire les Metroid, enfin demandé de faire les Metroid. Parce que c'est vrai que sans toi, je pense pas que je les aurais fait, je les aurais peut-être fait, mais beaucoup plus tard. Donc encore une fois, merci pour tout ça.
Non, c'est cool, franchement. C'était galère, mais cool. Qu'est-ce que t'appelles un whip cordé? Enfin, pas plus que ça. Moi, je suis pas trop gardé console. J'aime bien toutes les consoles. Donc... Après, je sais pas si je pars sur un Final Fantasy pour la prochaine fois ou si je pars sur un Pokémon, mais. Pas plus... Franchement, ça m'attire pas plus que ça. Enfin, à la limite, qu'il y ait une fille en héroïne, ça me dérange pas, je m'en fiche. Hein. Tu vois, Samus, ça me dérange pas. Les Final Fantasy XIII, c'est des héroïnes. Enfin, c'est une héroïne. Ouais, je sais pas si je pars sur du Final Fantasy pour le prochain stream ou si je retourne sur du Pokémon histoire de souffler un petit peu. Parce que là, c'était vraiment la. Stressant, surtout la dernière partie là, c'est ouais. Ouais, bah, ce sera. Je pense que je ferai du FF3 si je me motive. Bah, j'ai fait 1 et 2, donc j'aimerais bien faire le 3 avant de faire le 4, mais. Mais ouais, je pense que je ferai peut-être du FF, je sais pas, faut que je regarde, faut que j'achète les jeux aussi. Parce que si je fais 3 et 4, je veux faire en version 3D. Je veux pas faire les versions classiques, entre guillemets. Donc. Il va falloir que je regarde ça un petit peu. Mais en tout cas, merci les gars, c'était hyper cool. Ah, ça fait plaisir de finir un bon jeu comme ça, et puis c'est vrai que les scènes de combat, quand il y a les ralentis, etc., elles sont vraiment classe. Par contre, c'est un peu frustrant, entre guillemets, la fin, parce que bah, en gros, on te balance qu'à 3 minutes, tu sais pas pourquoi. Tu te dis, bon, bah, j'ai un timer qui apparaît, et puis faut courir, quoi, mais. Et puis on t'explique pas trop tes pouvoirs, tu sais pas si. On pouvait plus dasher, mais par contre il y avait encore. Enfin, j'avais l'impression de plus pouvoir dasher. Mais j'avais encore tous mes pouvoirs, donc je savais pas trop, mais. Mais non, c'était cool. C'était cool, Metroid Dread. Puis j'ai fait un stream de 3 heures aujourd'hui. Ça change. Ouh, petite scène de fin. Terminé en 9h50, bon un peu moins que ça parce que bon il y a eu des pauses d'une demi-heure etc. Mais... À bientôt pour une nouvelle mission. Ouais, on voit que, enfin à la cinématique on voit qu'on détruit le vaisseau etc. Mais on t'explique pas en fait, enfin tu sais t'as pas un texte qui a rien du tout qui te dit ce qui se passe mais t'as juste le vaisseau que tu vois qui est en train d'être détruit et puis... À bientôt pour une nouvelle mission. Bon bah c'était cool. 76 game over. Ça va. 97 sauvegardes. Ça va. Bah là, tu vois, enfin, après, j'étais en mode normal, donc. Ça va. Par contre, le mode difficile, ça doit être vraiment quelque chose. Mode difficile débloqué. Mode boss en série débloqué. Non, ça va aller, je vous remercie. Bah YouTube, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme j'ai dit, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures sur d'autres jeux. Donc bah, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures.